Ce n'est un secret pour personne, Kate Middleton est une adepte du recyclage vestimentaire. Comme sa consœur espagnole la reine Letizia, la princesse de Galles est souvent aperçue avec des tenues déjà portées par le passé. Un détail qui n'a évidemment rien d'exceptionnel pour le commun des mortels, mais qui peut surprendre davantage chez les royaux, qui pourraient céder à la fantaisie de ne jamais porter deux fois la même tenue. Et alors que Kate Middleton dépoussière ses tenues de façon assez régulière, voilà que son fils aîné, le prince George, se met à faire de même. Le jeune garçon a été pris en flagrant délit ce dimanche 1er janvier, alors qu'il était de sortie avec sa famille dans la ville d'Ascot. Mais au lieu de ressortir du placard l'un de ses propres vêtements, c'est un accessoire déjà porté par sa mère que George arborait ce jour-là. En effet, l'héritier au trône était coiffé d'un bonnet bleu marine et marron, orné d'un pompon, que Kate Middleton avait déjà affiché lors d'une séance photo avec William dans les Alpes en 2016. Prince George, cette sortie très décontractée avec sa famille une fois n'est pas coutume, les Cambridge n'étaient pas tirés à quatre épingles lors de leur sortie en famille ce dimanche. George et son père, William, avaient opté pour des jeans et des baskets Nike, tandis que Charlotte et sa mère étaient en bottes épaisses pour affronter le froid et la gadoue. Des looks rafraîchissants de banalité pour les Cambridge, qui avaient misé sur le confort pour cette sortie dominicale.